Quand j'avais 15 ans, c'était pas question de dire je suis homosexuel. Une aberration. Le législateur considère que certains actes ont un caractère physiologiquement normal et que d'autres ont un caractère physiologiquement anormal. Non seulement c'est inacceptable que ces hommes politiques soient à ce point trouillards et pétocheurs, mais en plus c'est absurde politiquement. Et ce n'est pas dans la vocation de l'homme politique. Un homme politique, c'est quelqu'un qui doit ouvrir le chemin. Le sidaïque est contagieux par sa transpiration, ses larmes, sa salive, son contact. C'est un espèce de lépreux. Quand vous voyez des tas de gens jeunes, 20 ans, 25 ans, mourir dans des conditions horribles. Puisque je suis une marginale, j'appelle tous les Français à manifester à la fin du mois de janvier contre le PACS. L'homosexualité, on a l'impression qu'elle s'arrête, aux portes de l'Assemblée, aux portes du gouvernement, alors que, bon, non, enfin, nous sommes partout. Au premier semestre 2013, le droit au mariage et à l'adoption sera ouvert à tous les couples, sans discrimination.